c'est bien, on se c'est pas moi qui dis, oh, c'est la Bible, encore. C'est moi qui parle. C'est pareil, c'est pour le mari. Nos femmes, là, foutaises. Moi, nous n'ont plus l'âme de mon côté. Elle a monté ici, chef. La nuit aussi. Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'une promotion, les gars. On se parle. C'est lui, ça. Fais ça. C'est pas comme lisez la Bible. Mettez tout ensemble. Il dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur quoi? Ça veut dire que si un prince s'est passé matin à 6h, avant minuit, ça veut quoi? Si ça dort le lendemain matin, cette personne est dans la catégorie de qui? Des sorciers. Ah non, mais la Bible est claire. Avant d'arriver à là, regardez ce qu'il dit dans vos rapports avec les femmes. Non, ça n'arrive pas. Jusqu'à même, on va expliquer ça au pain. Non, vas-y. Toi, et c'est le voisin. Le voisin ne connaît pas Jésus, c'est lui des hommes, mais on va le faire laisser. Nous, on ne va pas aller plus au secours, on va pas aller plus, on va laisser. Hein? Danger. Danger. Maintenant, qui a passé dans le quartier, lui là. Il va aller plus, mais. Rien. N'acceptez pas dans votre intimité avec Dieu. Que une personne s'invite dedans. Parce que votre intimité avec Dieu est plus forte que l'intimité que vous aurez soit avec nos femmes ou vos enfants. C'est ce que vous devez garder. Mais on ne veut pas garder cette intimité-là. La relation demeure, la relation avec l'enfant de Dieu demeure. Mais l'intimité est capitale. Or, dans cette intimité-là, et Valérie nous a appris, ça dit quoi? Si quelqu'un, en faisant son offrande, c'est rappel que son frère avec quelqu'un qui met son offrande et qui va pas se réconcilier. Et la Bible, voilà, la parole de Dieu a fait de nous des ambassadeurs pour quoi? Pour réconcilier les hommes avec quoi? Avec Dieu. Est-ce que Dieu a dit que vous avez appris de tuer les hommes? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au sentiment. Nous sommes arrivés au verset 8. Je crois que dimanche, nous sommes dans le verset 8. Je n'en parle des sentiments. Des sentiments de plein d'amour. De quoi? De quoi? Plein d'amour fraternel. Plein d'amour fraternel. Virgule de quoi? Compassion. Virgule d'humilité. Est-ce que tu es humble? Humble chez toi à la maison. Humble au service. Humble dans ta famille. Humble dans ta communauté. Parce que c'est ce que vous cherchez à voir à la maison, dans vos quartiers que vous transportez à l'église. C'est parce que vous êtes à l'église que vous transportez à la maison. Ce qu'on vient de te dire, tu vas être transformé, tu vas aller dans ton environnement. On va voir si l'enseignement a passé ou pas. Ou bien. Hein? Donc ici, c'est un cadre propice pour te communiquer la chose. Mais quand tu vas retourner où? À la maison, dans ta maison, dans ta cour, au service, ou bien au marché, peu importe le service, peu importe le service, quel sera quoi? Les pensées, les sentiments qui vont t'animer. Et je crois bien que ça, là, ça va se réaliser. Et plein de personnes vont commencer à m'appeler pasteur tes enseignements, tu es en train de vivre ça. On vit ça. Là. Et oui, c'est ça. D'autres ont déjà vécu, d'autres vont vivre. Donc, bien aimé, attends pas ça. C'est un ballon. On voit comment tu as réagi. Quand on vient toucher peut-être le front de mon église. Toi, tu es peur qui t'a souhaité la toile. Oh! D'après quelqu'un, c'est que tu es con, tu ne sais pas pourquoi. Mais Jésus même, on ne l'a pas giflé. Jésus même qui est ici, on ne l'a pas. Pas touché ma tête, hein. Pas touché ma tête, hein. Il ne te permet pas. Il dit, ah! Après, quand on a dit, il ne faut pas comme ça. Il n'a rien fait. Il ne voulait faire pas là. Ça va être les sentiments qui étaient en Christ. Regardez les sentiments qui étaient dans les apôtres. Sentiment de quoi? De plein d'amour. Ils étaient pleins. On les chicote, on les met en prison. Ils sont en prison, ils chantent. Yeah! Ils dansent. Ils prêchent. On les persécute. Ils ne maudissent pas. Ils louent le Seigneur. Mais aujourd'hui, où on peut supplier les chrétiens pour Dieu, où surtout même en Côte d'Ivoire. Et les gens disent non, il faut qu'il y ait liberté de tout, liberté de rien. Les chrétiens seulement n'ont pas même liberté. Ils vont toujours persécuter parce que Jésus a prophétisé ça. Moi, il y a encore, on est trop à l'aise.
Donc souvent Dieu utilise des crises politiques à prévenir un peuple. C'est les voix maintenant, les voix prier. Seigneur agit. Seigneur manifeste. Seigneur agit. Hein? À une époque, l'église est remplie jusqu'à la place. Tout le monde venait chercher Jésus. Tellement c'est Jésus. Quand la crise est finie, tout le monde a cherché ses pieds. Alléluia. Quelle est la pensée qui t'anime ce matin? Dieu est à vous. Tu as tué? Est-ce que tu as la pensée du maître Réel? Répondez-moi. Non. Soyez annulé. Quelle est la pensée qui t'anime maintenant quand tu as sorti d'ici? Quelqu'un t'insulte, il te parle mal. Il se fout de toi. Tu es plus nantique que lui. Et puis, excusez-moi. Si tu habites une même cour, tu loues même. Maintenant, vous êtes dans une chambre, ça va être deux chambres, ça va vous faire 80 000. Vous tous louez la maison. Lui n'a qu'à venir dans la voiture, comme on dit, range le verre devant. Toi, tu as ton cartel qui gagne devant. Et même si un jour il arrive et puis il commence à tester, toi tu es qui, tu n'as rien. Faut, dans ta pensée, tu dis, Seigneur, on loue la même maison. Nous on sommes bien Jésus. Non, on loue même maison, si tu veux, il faut venir. Après, c'est ce dos autour de la boue. Attends, le voisin dans la salle, il est souvent sur les pas souvent. Il vous pose la question. Non, le voisin dans la salle, il est souvent, mais il n'est pas sur. Donc, puisqu'il est voisin dans la salle, même si le président est là, c'est le président qui se fout de lui. C'est son voisin. Le premier va dire, je suis le président, il m'a mis dans la même capture, même maison. Mais il y a des gens qui ont dit, derrière de la boue, il y a quoi chez toi? Il n'y a même pas de télévision. C'est vrai, il n'y a pas de prison. Ça, ce sont les accessoires de la maison. Tu n'as pas de temps que ma maison est en train. S'il n'y a pas d'accessoires, ça ne dégage pas. Tu loues tant que je loue tant que. Donc, ton haut va au bas, c'est moi la famille. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Quand on a même toi, tu as tâche, ou à ce moment, tu as tâche, on doit dans la même maison. Si tu es trop fâché, va à la rivière, ou quand la maison en paix, il y a des milliers de dollars. Là, il y a des tirés aussi. Lui, tu m'as montré que vraiment tu as l'argent. Maintenant, si tu as l'argent aussi, ce n'est pas ça qui va être préparé. Mais les critiques n'arrivent pas. Ça va souvent, mais dans le foyer, il n'y a pas. Si la voisine a insulté la semaine à cause de télévision, oh, tu vas regarder ça. Le pauvre est au service. Quand il est tout de la bouche ici, là, il ne dit pas, tu ne m'écoutes pas à cause de toi. N'importe qui met sa bouche sur moi. Ça, c'est quelque chose de mari, ça. Quand c'est mari, là, c'est pour avancer. Mais pourtant, on reste pour reculer. Quand ça ressemble aussi, fais-toi pas ta femme, c'est pas. Il y a combien ça vient? Il n'y a même pas honte. T'as vu? T'as vu? À cause de toi, mais pas la tête, t'as vu pas dans ce temps. Donc c'est lui, ça? Fais ça. Vous voyez, dans l'humilité même, il y a le fait de savoir vivre dans le contentement. Ça, c'est seulement pour que ça va dans le contentement. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la pendance comme dans la disette. Pourquoi ils m'ont fou? Vous allez me dire, c'est qu'ils vont me voir apprécier de parler de l'autre. Le gars l'a dit, il est prêt à jouer de l'autre. Mais dimanche, il m'a dit, le gars, elle a dit ça, elle a écrit, mais c'est comme ça la vie. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, c'est Paul qui était en Christ? Christ n'a pas fait exception de personne, il était dans la maison de tout le monde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu...